simple. D'abord, je suis maman, donc j'ai des enfants et je sais que ce que ça veut dire, le manque d'abord d'affection. Parce qu'on peut avoir tous les moyens du monde, si on n'a pas l'affection, si on n'a pas l'amour, eh ben on a l'essentiel qui manque. Ici à l'association Ihsen, il y a un travail extraordinaire qui est fait tous les jours, grâce aux bénévoles, grâce à toutes les personnes qui travaillent 24 heures sur 24, parce qu'ici il ne faut pas oublier qu'il y a les nouveau-nés, donc c'est des bébés, donc il faut des mamans et des personnes qui accompagnent ces bébés et la nuit et le jour. Ils ont besoin de moyens, ils ont besoin qu'on communique sur tout le travail accompli, et je suis là pour les aider autant que possible et selon mes moyens et les accompagner dans tout ce qu'ils font. Donc c'était tout à fait normal de venir et de me retrouver là pour la fête de circoncision des enfants, et puis je serai là tant qu'ils feront appel à moi pour les accompagner et les soutenir. Merci d'être venu partager avec nous cet événement que nous avons organisé pour la circoncision de 30 enfants qui habitent dans la maison d'enfants La Larsna. Ce sont des petits pensionnaires privés de famille. Et l'association Ihsen, dont je suis la présidente déléguée, a été créée en 1989 afin de venir en aide à ces enfants et à gérer tous leurs besoins. Nous avons également tout ce qu'il faut pour le paramédical, des encadrants, genre psychologue, psychomotricienne, orthophoniste, pour la psychomotricité également. Nous avons 4 classes de préscolaire, la toute petite section, la petite section, la moyenne section et la grande section. Et nos éducatrices sont formées d'une manière continue et nous sommes vraiment très contentes d'elles. Les enfants font énormément de progrès. Et ils reçoivent des cours aussi bien en arabe qu'en français.